pluie qui tombe doucement depuis des jours à chaque instant commence à inquiéter les gens. Les prés ne sont plus si jolis, l'eau recouvre l'herbe verdie, la conche est sortie de son lit. Les enfants regardent l'étang et ils voient bien comme il s'étend, puis ils demandent à leurs parents si l'eau va monter jusqu'en haut, si elle va casser les carreaux, s'ils vont acheter un bateau. Les hommes sauvent ce qui est sauvable, empilent tout sur une table, s'en vont remplir des sacs de sable. Ils voudraient se barricader, ils voudraient pouvoir empêcher la rivière de tout dévaster. Oui, dévaster toute leur vie, tout ce lourd travail accompli avec leurs petites économies. Mais ils savent bien que c'est foutu, que leur voiture au coin de la rue, elle a quasiment disparu. Ils se sentent comme des naufragés dont le navire vient de sombrer, ils ne savent pas où aller. Dans un petit canot gonflable, on voit le maire, quelques notables, suivis par deux ou trois canards. Des équipes de télévision, pour pimenter leur émission, viennent chercher le petit frisson. On parle de nous à la télé, c'était maintenant ou jamais, les sinistrés du Pas-de-Calais. Les sinistrés du Pas-de-Calais. Les sinistrés du Pas-de-Calais.